les Bubble Fans. Coucou les Bubble Fans. Alors là, on va faire une vidéo 24 heures, comme vous allez pu le voir dans le titre, dans le frigo. Coucou papa. Coucou. Tu commences la vidéo. Bah, vas-y, fais comme chez toi. Ok. Donc oui, donc vous voulez faire un truc de fou. Voilà. Un truc de dingue, un truc de ouf. Vous voulez passer 24 heures, 24 heures challenge dans le frigo. Oui. Heureusement, on a deux frigos, donc on l'a débranché. Bah, hier, je l'ai débranché, j'ai tout vidé, regardez. Tu vois que tu filmes? Attention. On va juste enlever les étagères. Pareil pour le congélo qui est évidemment éteint aussi. Ne faites pas ça s'il est allumé, hein. Il fait un petit peu froid. Sinon. Donc là, température ambiante. Il est tout vide. Vous vous mettez où les filles, vous? Calice en haut. Athéna en bas. Bon, bah, je reprends la caméra. J'ai mesuré un peu avant de faire la vidéo pour savoir lequel était le plus beau. T'as mesuré? Pour savoir si tu rentrais dedans? Non, c'était pour savoir lequel était le plus grand. Mais c'est quoi ce challenge de bouffe? J'en garde un. Non, c'est grand, d'accord, en haut, c'est le petit qui va. Oh. Ah, c'est un frigo, hein, c'est. Il faut être ingénieur hein, pour utiliser un frigo, c'est fou, ça. Attention, c'est en vert, ça. C'est marrant, vu comme ça, on dirait une grosse tablette, un iPad, et là, il y a un gros iPad. Alors, tac, tac. Il n'y a pas d'appli installé. Hein. Ah ouais. Allez, on perd pas de temps, on rentre dans le frigo. Il est 10h, il est patatas. On commence par le petit déj que vous n'avez pas pris. Allez-y, installez-vous confortablement. Bien sûr, si vous avez besoin de choses, vous me demandez. Vous avez le droit de sortir. J'ai une idée de génie. Une idée de génie. Comme dirait les sisters. Et voilà. Génial. Toi, si tu veux, Athéna, je vais t'amener des petits carrés de mousse. Bien sûr, vous aurez le droit de sortir pour aller aux toilettes et pour vous changer aussi, si vous avez besoin de vous changer. Voilà. Hein, parce que se changer dans le frigo, c'est pas évident. Ok, allez, c'est parti, je vais chercher un petit carré de mousse pour Athéna et puis on va commencer ce 24 heures challenge. Là c'est parti, c'est maintenant, ça fait une minute que c'est parti. Ah. Bonne chance. Bon, ça y est, j'ai mis des petites dalles de mousse, mais... Ah bah d'accord, en fait, il n'y a plus personne dans le frigo, le challenge est déjà terminé. Oh. Ah bah d'accord. Vous faisiez déjà dodo. Donc là, t'es tranquille, t'as tes petites dalles de mousse. Ah. Alors, bien ou pas bien là? On est bien. Papa, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on pourra faire un 24 heures dans un château de mousse comme ça? Ah, tu veux faire un 24 heures avec des mousses? On avait déjà fait une petite maison de... Ah non, pas une mousse, on avait fait un bac à... Une piscine à balles, oui. Ouais. Une piscine à balles, mais... Ah bah d'accord, et moi je vais faire mieux, je vais te mettre au challenge, je vais faire carrément un château fort en mousse. Quoi? Calice, elle a le droit de m'aider? Bien sûr. On pourra faire ça dans une prochaine vidéo si vous voulez, ok? Ok. Ok, est-ce que vous avez faim pour prendre le petit-déj? Ouais. Allez, je vous prépare ça. Ah bah tiens, je mets des lumières, je vais en profiter aussi. Bon bah voilà, ça y est, là c'est bien installé. Les filles, je vous ai apporté des chaussettes parce que pieds nus, c'est pas top. Papa, okay. Oui, tu peux nous apporter d'autres choses? Des trucs, des machins et des bidules. Je vais vous chercher tout ça. Okidoki. Eh, ça y est, c'est l'heure du petit-déj. Là, vous êtes bien équipé là, là vous êtes bien installé. C'est une fontaine à céréales. Super. Ah, j'en étais sûr qu'il y avait une céréale. Attends, je vais te verser de l'eau. Je vais le faire. Tu verses le l'eau? Eh bien, verse le l'eau. Hop. C'est n'importe quoi cette vidéo, je sens. Après, c'est le matin, donc forcément, qui dit matin dit travail. Donc, je vais te mettre la maison d'Umni, Athéna, quand tu auras fini de manger. Et puis, ce que je vais enregistrer. Voilà. Et toi, Calice, bah, tu vas pouvoir faire ton travail. Tout simplement, ça va être pratique, ça. C'est bon, Athéna. C'est bon, Calice. Ok. Alors moi j'ai un petit coussin derrière moi, j'ai mes deux doudous, j'ai une lampe et j'ai une bouteille d'eau. Super, bien installé. Est-ce que tu vas tenir 24 heures, c'est autre chose? Eh, ça y est, vous avez terminé le petit déj. C'est l'heure de travailler. Alors, Akali, c'est déjà en train de travailler. Tu fais quoi? Une sorte de fiche de lecture un peu bizarre. Ouais, genre tu joues en fait. Ah d'accord, non c'est vrai, elle travaille pour de vrai. Et toi Athéna, ben d'abord on va faire la maison de l'Umni, puis je t'ai aussi apporté ton travail. Et regardez, ça c'est son cahier de brouillon, c'est trop drôle. Je sais pas si vous voyez, il y a écrit cahier de brouillon d'Athéna, confinement Covid 19 2020, 17 avril 2020 jusqu'au... Et là, donc la maison de l'Umni, attention c'est parti.
Voilà, ce qui est très important donc en numération, là maintenant, en CE1, c'est de comprendre que... Allez, travaillez bien les filles. Merci. On travaille durant toute la matinée. On se retrouve plus tard pour la suite. 603. Une licorne avec une corne. En plus, c'est un stylo Disney Cruise Line. On a fait la croisière Disney. Oui. Je t'aime. Alors, ça va Calice? Elle est où ta sœur? C'est fait une cabane. C'est fait une cabane dans un congélo. Bon, en tout cas, vous avez bien travaillé ce matin. Athéna, ça va? Laissez-moi dormir. Tu dormiras cette nuit. Enfin, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Sauf que vous pouvez sortir quand vous voulez. Vous pouvez arrêter le challenge quand vous voulez. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Là, je vais préparer à manger. D'accord? Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je vais préparer à manger? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Eh bien, je vais faire, je vais faire une tranche de calice à la poêle avec un. Alors, congélateur, j'ai quoi? J'ai ça. Ouais, je vais faire un petit gratin d'Athéna alors. Ok, donc une escalope de calice avec un petit gratin d'Athéna, ça vous dit? Ouais. D'accord, il n'y a pas grand chose dans le frigo et dans le congélo hein, aujourd'hui. Alors, eh bien, ça y est, les hot dogs sont prêts pour le déjeuner. Je frappe avant, hein, comme toujours. Ça va? Je te dérange pas? Est-ce que tu as faim, calice? Ah oui. Oui, alors il y a Athéna qui est là. Athéna, il y a quelqu'un? Oh, elle est plus là? Elle a perdu le challenge? Ah non, elle est là! Avec sa petite lumière, c'est génial. Bah au moins, comme ça, on risque pas d'être un peu loin. Un petit hot dog, Athéna, je suppose que toi, tu préfères le hot dog avec le crouton. Et voilà, pour Calice. Est-ce que vous voulez une petite assiette? Viens avec le crouton, c'est ça, pas ça peut pas tomber par là. J'en ai pas besoin, ça. Bon, tombe mais pas c'est pas. Mieux au cas où. Au cas où? Au cas où. 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 Petit sopalin. Hop là. J'ai réussi. Bon allez, bon appétit les filles. Merci. C'est n'importe quoi. Tu peux aller me chercher la bouteille d'eau qui est dans le congélateur. Une petite bouteille d'eau pour Athéna. T'as ta bouteille d'eau, Calice? Ah oui. Oui, toi c'est pratique toi. Ta voisine du dessus n'est pas trop bruyante? Non. Ta voisine du dessous n'est pas trop bruyante? Non. Elle fait pas trop la nouba? Pas trop la fête? Ça va. Ça va. Bon. Elle est surtout gênante en fait. Ah oui. Avec ses pieds. Ça c'est la relation entre voisins, c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que vous regardez? Ah mais c'est le monde de Dory. Ah le monde de Dory, je trouve ça tellement mieux que le monde de Nemo. Bon bah voilà, allez, je vous laisse regarder la fin du film et après ça sera déjà le goûter. Hein. Alors on s'est occupé, on a regardé le monde de Dory. Donc là, Calice et Athéna font maintenant mine de faire la sieste. Mais je sais très bien qu'elles font pas la sieste. Donc là en fait elles ne m'entendent pas. Qu'est-ce que ça va être? Ah, tu m'as entendu? Ah zut. Mais Calice ne m'a pas entendu, donc je vais pouvoir mettre... Ah, tu m'as entendu aussi? Oui. C'est l'heure de goûter, les filles. Une compote pomme banane. Ouais. Voilà, mademoiselle. Une compote pomme cerise. Voilà, mademoiselle. J'ai aussi des petits yaourts en tube. Ça, c'est très pratique à manger. Voilà. Quand on est confiné dans un congélateur ou dans un frigo... On n'est pas bien dans un demi-mètre cube? Non, on est très bien. C'est pas tout. Regardez. Oui. Athéna, tu as le droit à ça aussi. Ah, et moi? Vous avez partagé quand même, il y a beaucoup de chocolat. Alors, est-ce que... Alors, c'était vraiment pour le plaisir, hein, parce que la dernière fois, on a vu Super Mario en carte. Non. Est-ce qu'on aura Donkey Kong ou Luigi? Réponse après. La semaine prochaine, après la pub. Ou Mario. Mais que fait Calice? Calice fait de l'alpinisme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attention, faut pas sortir. Faut pas tomber. Tiens, qu'est-ce que ça va Calice? C'est bien là? Oh, trop dur. C'est très bizarre ce plan. Allez, vas-y. Est-ce que... Ah oui, il peut être un coup de ciseau. Tiens, Athéna. Allez, allez, essaye de déballer ça. Là, je te donne ça pour mettre les morceaux de chocolat ou autre, pour éviter de mettre le chocolat par terre. Ça serait ballot. Ça va, Calice? Ouais.
sportive. Moi, je parie sur Dolly Parton et j'aimerais prendre un Parton. Et toi, Athéna, c'est toi qui allais sous le qui, toi? Oui. Tu Tu vas tomber. Donnez-le-moi. Tu peux me le donner, s'il te plaît, mon père? Non. Attention, ça y est. Roulement de tambour. Ok. Très bien, ça. Chocolat. Tiens. Attention, la petite boîte. Bon, c'est pas grave. Ça va, Canis? Oui. Attention, est-ce que tu vas y arriver? Oh, pourvu que ce soit dans le kit-kong. Le chocolat. Normalement, c'est dur. Hein. Ah, presque, oui! Attention! C'est Luigi! Ouais. Non, non, c'est Donkey Kong! Ah oui! C'est Donkey Kong, je suis trop contente, toi aussi, Athéna! Calice, ça va, pas trop déçu? Ça va. On l'avait pas. Ouais, c'est tu le principal. Passes le mode d'emploi, on va dire. Moi, vraiment, honnêtement, je voulais vraiment Donkey Kong. Pareil. Et toi, non, et toi tu voulais vraiment Luigi? Mmh. Ah, ça sera pour une prochaine fois alors. Tu me donnes le mode d'emploi qui est par terre, s'il te plaît? On est en bord de construire, hein. Comme j'ai déjà eu Super Mario, bah je sais comment construire. Bon, allez, voilà, c'est une activité qui continue. Un petit peu de chocolat, un petit peu de surprise. Et puis, on va voir après ce qu'on va faire. Hop là. Parce que ce qui est drôle, c'est de rester dans un frigo et un congélateur. Et moi, j'ai du chocolat. Gourmand. Sauf que moi, j'ai pas pris de manger du chocolat. Je suis Tita. Ah, t'as ton masque, t'es tranquille. Mm-hmm. Tu peux pas choper des choses, hein. Le Covid ne passera pas par toi. Ah, c'est pas mal ça. Il est magnifique, ton Donkey Kong. Il est rejoint par son copain Mario que t'avais déjà eu. Oh. Pauvre Donkey Kong, il y a eu un accident de carte. Allez, ça y est. Et Mario, bah, il a atterri en douceur. Hein. C'est l'activité de l'après-midi. Je vais vous chercher vos DBD. Avec les profs. Bonne lecture, les filles. Merci. Et puis, si vous avez quelque chose, vous me le dites. On va pas forcément tout filmer. On se retrouvera. À bien pour la suite. Allez, tout de suite. Ok. Miam, miam, miam. Je préfère jouer aux cartes que regarder une BD. Hé, hey, je suis pas obligée de faire la même chose que Calice. Non, tant que tu restes en congélo, tu fais ce que tu veux, tu me dis si tu veux faire autre chose. Tu veux quoi? La tablette, la Switch? Carte libre. Oh non! Il a fait un bon atterrissage. Il est solide, ouais, bravo. Tu veux quoi? Que veux-tu? Nintendo! Ok, je vais la chercher. Merci. D'accord, il y a des couvertures dans mon frigo, dans mon congélo. Coucou Calice. Coucou. Coucou Athéna, elle est où Athéna? Elle est où Athéna? Et puis bonne nouvelle, ça y est, les pizzas sont arrivées, oui, nous sommes au dîner. Vous avez fait bah, de la lecture, et puis de la tablette, de la Switch, des jeux et du YouTube. Voilà, durant cet après-midi après le goûter. Et bien regardez, les trois pizzas sont arrivées, j'aime bien faire au hasard. Athéna, tu veux celle de gauche, celle du milieu ou celle de droite? Celle du milieu. Celle du milieu. Et toi, Calice? Celle de droite. Donc, ok, Athéna, au milieu, tu tombes sur... Oh, pas de peau, tu tombes sur la 4 saisons avec des artichauts et des poivrons. Par contre, du coup, les autres, c'est la même. C'est la Tina pour Calice. Bon, bien sûr, c'est une blague, je vais prendre la mienne. Enfin, moi, je veux des 4 saisons, moi. Je veux les 4 saisons, moi. Moi, je veux la Latina. Ok, ça marche. Allez, je vous sers. Athéna, Latina, ça se sent. Athéna, la Latina.
Ça c'est bon ça. Bon app les filles. Bon app. Et après on va se regarder un petit film, parce qu'il est quelle heure là? Exactement 20h20. Donc on mange tranquillement, après on se regarde, je sais pas, un petit film ou un petit dessin animé que j'ai enregistré. Et puis après, il va falloir dormir dans le frigo et dans le congélo. Eh oui, la folie continue. Est-ce que ça te fait peur de dormir là? Non? Athéna, elle adore les 24h challenge. On pourrait dire, tu dors dans une boîte à chaussures, dire « Ah ouais, ouais, je veux dormir dans une boîte à chaussures. » Non, c'est trop petit. Ouais, non, c'est le seul truc qui t'embêterait. Mais là, c'est un peu petit quand même. Non? D'accord. Bon, moi, tu seras là dans un cercueil. Et toi, Calice? Taillé sur mesure. Taillé sur mesure. T'as peur de dormir là cette nuit? On verra. On verra, bien sûr, tu pourras allonger les jambes, hein, pour les laisser ouvrir. Avec les tabourets pour étendre les jambes, tout ça. Il y a. Avec plein de couvertures, un poivron dans ma pizza. Non! Si! C'est un scandale, remboursé! Ouais! Moi, c'est pareil, j'ai plein de poivrons dans ma pizza. C'est normal! Il y a des poivrons de base dans ta pizza. C'est vrai. C'est la 4 saisons. Tiens, casse-toi. Oh, 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 oh mon nom, ma caméra, elle est toute tachée. Coucou. Coucou Athéna. Coucou. Alors, là en fait, on a mangé. Nya, on a regardé Top Chef en fait. Voilà. À la télé. Coucou. Vous êtes sorti exceptionnellement pour aller aux toilettes, vous lavez les dents, vous lavez les mains et vous mettre en pyjama. Donc là, on arrive au moment que tout le monde attend. C'est-à-dire le dodo dans le frigo et dans le congélo. Donc, bonne nuit, Cali, je ferme la porte, vous faites un gros dodo. Non, bien sûr, vous pouvez vous mettre à l'aise comme vous voulez. Vous avez les chaises. Tu peux peut-être pousser peut-être un peu plus les petits trucs de mousse pour que Cali puisse mettre sa chaise. On va s'organiser. Ma lolope, elle est à moi. Oui. Merci. Voilà, pas de doute, on est vraiment dans une cuisine. Vous êtes vraiment dans un frigo, dans le congélo. Est-ce que vous avez réussi à dormir comme ça? J'ai un petit peu peur. Qui va relever ce challenge? On y est, c'est vraiment le moment le plus décisif de ces 24 heures dans le frigo, le congélo. Qui sera encore là demain matin? Athéna, je pense que tu peux le faire, effectivement, parce qu'Athéna, elle est quand même au rez-de-chaussée, donc c'est assez facile. Elle peut se faire son petit lit comme presque normalement. Par contre, pour Calice, ça va être plus dur. Est-ce que Calice sera encore là demain? On verra la réponse dans quelques instants. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle et fraîche nuit. Enfin, fraîche. Non, parce que le frigo ne marche pas. Une belle et douce nuit. Vous avez vos petites lumières? Allez, allumez vos petites lumières. Moi, j'éteins les grandes lumières. C'est ma bébé lampe. Petite bébé lampe. Petite bébé lampe. Ça va, Athéna? Ouais. Bonne nuit, Athéna. Calice, elle ne tiendra pas, Calice. C'est impossible. C'est pas grave, hein, si tu relèves pas le challenge. Mais t'as pas de coussin? Non, je veux un coussin. T'en veux un? Et voilà. Je sens que je vais te retrouver dans ton lit demain matin, toi. T'auras bien raison. Peut-être que ta petite soeur sera meilleure que toi sur ce challenge. Ça va, Athéna? Tranquille, toi. Ça, t'es bien, toi. Bon, j'éteins ou pas, Case? Ben, oh non, elle a les pieds dans le micro-ondes, c'est n'importe quoi. Bon, bah, on retrouvera Calice soit en piteuse et toi, soit dans son dodo. Bonne nuit les filles. Bonne nuit les amis. Et puis à demain, si vous le voulez bien. Qui? Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Bonne nuit tout le monde. J'espère que vous faites pas le même 24 heures que nous, parce que nous c'est un challenge. 1 hour later. Oh là.
Je suis crevée. J'arrive pas à dormir. Alors, je vais aller dans mon lit. Parce que là, j'en peux plus. Donc, je chuchote. Parce que Athéna, elle dort. Et j'ai pas envie de la réveiller. Donc, je vais aller me coucher. Parce que là, j'en peux plus. Le lendemain. Donc, ça y est, là, j'ai dormi dans mon lit. Je suis encore fatiguée. Papa, il va se réveiller dans pas longtemps, je pense. Et du coup, là, je vais retourner dans le frigo. Je vais faire comme si j'avais dormi dans le frigo. Allez, hop, on y va. A few minutes later. Ça y est, il est 8h. Et les patatas. Et là, je vais aller voir si les filles dorment. Bah, dis donc. Oh, incroyable, qu'elle s'est endormie comme ça. Truc de ouf. Athéna, elle a l'air bien. Athéna, fastoche. Je sais pas si je la réveille. Ah ouais, il est déjà... Ah ouais, il est même 8h40 même. Oh, je vois tes petits yeux qui s'ouvrent. Bonjour Athéna. Coucou. T'as bien dormi? Oui. C'est vrai? Tranquille, tu dors n'importe où toi, à cet âge-là, c'est bien. Calice ? Je sais pas si elle dort. T'as dormi là, non ? T'as resté à dormir ici toute la nuit ? C'était trop compliqué. C'était compliqué ? Je sais pas comment t'as fait. T'as tenu le coup, t'as relevé le challenge. Ouais. Je suis trop fier de toi. Enfin, fier. Je sais pas si c'est une fierté, mais en tout cas, je pensais pas. Voilà. Je suis épaté. Hein? On pourra en refaire un. Dans le frigo? Oui, dans le frigo ou ailleurs, on en refera bien sûr. Waouh. Bon, bah, vous avez quasi relevé le challenge. Hein. Moi, je pense que. Normalement, il reste quoi? Il reste. Je sais plus à quelle heure on a commencé hier. 10h et des patatas. Voilà, ça va être ça. Bon, bah, au revoir, Calice. Au revoir. Coucou. Ok. Ou sinon, vous prenez le petit déj de danse que vous voulez. Vous pouvez le prendre deux fois. Ouais, encore? Toi aussi? Bon, ok, on prend un deuxième petit déj du coup dans le frigo. Et c'est la course de cartes. Ça y est, vous avez fini votre petit déj. Ouais, c'était bon. Bon, voilà, on a pris le temps, tranquille. Ben, ça y est, en tout cas, les 10h et patatas sont passées. Vous avez passé 24h dans le frigo et dans le congélo. Bravo les filles. Ouais. Bravo Calice. Bravo Athéna. Bon, bah, je vous fais. Je vous donne l'autorisation de sortir de ce frigo, de cet endroit un petit peu confiné, un peu trop. Mes pieds, ils ont fait 24 heures qu'ils n'ont pas marché. Oh, et bah, quand même, tu es sorti pour l'eau toilette, te laver les dents, te changer. Voilà, c'est quand même dégourdi les jambes. Mais c'est pire que l'épreuve des poteaux de Colombia, ce truc. Bon ben bravo les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous laissez un grand pouce bleu, on refera des vidéos comme ça. On refera... Oups là, attention. Ça va, là. Donc à demain sur Studio Bubble Tea. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous, soyez bien, soyez bon. Et